Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Catherine Cox, je suis analyste à Londres et je suis membre de l'équipe WUJ. Avant que nous commencions, je souhaite vous rappeler que si vous n'avez pas encore fait, merci de choisir la langue que vous aimeriez écouter pendant ce séminaire. Si vous souhaitez écouter l'anglais lorsque l'interprétation va commencer, vous pouvez choisir le canal anglais. Alors, s'il vous plaît, merci de cliquer sur le globe avec la liste des langues. Cela devrait apparaître en bas de votre écran. Merci de regarder la petite icône avec plus de trois petits points et qui va pouvoir vous amener vers d'autres options linguistiques. Donc, encore une fois, un grand merci à tous nos collègues ukrainiens, où que vous soyez. Nous avons un petit événement qui a eu lieu, si on le compare à l'Eurovision, et je crois que nous avons 161 millions de spectateurs qui étaient en solidarité avec l'Ukraine et qui ont regardé cet événement. Cette nuit-là, le régime syrien a bombardé la ville de Ternopil, la cité d'où venaient les chanteurs, pour les punir d'avoir participé à ce concours de l'Eurovision. Et cette attaque n'était absolument rien comparée aux atrocités absolues qui ont été commises ailleurs en Ukraine.
et également dans d'autres endroits du monde. Il y a quelques webinaires de cela, j'avais émis une réflexion sur la difficulté qu'il y avait à être les personnes qui sont loin de chez eux. Mes collègues ont récemment accueilli quelqu'un d'Ukraine, les ont accueillis chez eux, et l'énormité de tout ce que cela signifie d'être déplacé m'a vraiment touché. Aujourd'hui, un de nos collègues d'Ukraine, qui est resté là-bas pendant toute la durée du conflit, va parler. Et cela m'a amené à réfléchir sur toutes les personnes qui sont restées en Ukraine, tous les sacrifices que vous faites, toutes les difficultés, tous les obstacles que vous rencontrez. Au moment de la réunion avec l'UGA, l'association des Ukrainiens, des Jungiens ukrainiens l'année dernière, Kirilyuk s'est excusé de sa fatigue. Elle explique qu'elle n'avait pas dormi depuis les 3 dernières nuits à cause des sons des explosions qui étaient très très fortes et des bombes qui faisaient trembler son bâtiment. L'année dernière, nous avons eu une expérience telle que décrite par la BBC qui faisait état d'attaques de très denses, de missiles exceptionnellement denses et d'attaques de drones également. Et cela a un impact sur les civils et sur les collègues. Et j'ai vraiment du mal à imaginer cette paralysie que certaines personnes peuvent ressentir et toutes ces expériences que vous avez ressenties au cours des derniers mois et années. Les collègues de Zaporijia et à Kharkiv sont dans un danger absolu, et ils ont perdu des voisins, ils ont perdu leurs maisons qui ont été endommagées par des bombes, ils ont connu des pertes constantes d'électricité et d'internet. L'engagement de vous tous qui ont continué à travailler en tant que thérapeute, en tant que thérapeute au sein d'une population totalement traumatisée et qui fait face à des attaques sans répit est absolument héroïque. Et pour vous et pour moi, vous êtes une réponse au mal. Mais il est désormais un grand plaisir pour moi de vous présenter à notre président, présidente d'aujourd'hui, qui s'appelle Sally Arthur, qui est analyste à Londres et un des membres clés de l'équipe WUJ. Je pourrais vous dire plein de choses sur ce qu'elle a fait, groupe d'observation, groupe pour les docteurs, mais ce que je voudrais partager néanmoins sur Sally, c'est cet engagement sans faille à ce projet et cet engagement et cette inquiétude dont elle fait face pour tous nos collègues ukrainiens. Une des bonnes choses que nous avons en participant à ce projet, ce sont les gens que nous rencontrons, nos collègues ukrainiens, qu'ils soient en Ukraine ou déplacés, tous les analystes qui sont désormais extraordinaires et qui font face à la fournaise et au feu de la guerre. Et nous avons vraiment cette impression qu'ils veulent faire quelque chose pour faire face à cette guerre. Et nous, au WUG, nous avons des personnes qui sont engagées, qui ont beaucoup de compassion, et Sally est une de ces personnes. Nous nous sommes rencontrés grâce au projet et j'ai vraiment très heureuse de la connaître. Et tout cela, c'est simplement vous dire que toutes les personnes qui participent à l'équipe WUJ vous êtes des gens absolument exceptionnels. Vous avez vraiment mis en avant la richesse exceptionnelle de la communauté jungienne. Vous pouvez faire davantage et donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous êtes intéressé. Eh bien, de temps en temps, malgré leur engagement, les personnes de WUG ne sont dans l'incapacité de rejoindre une réunion. Et la meilleure excuse actuellement nous est venue de Sally qui a raté une réunion afin de participer, écoutez bien, à une convention du tango au Vietnam. Et Sally me dit qu'il y a un lien très fort entre le tango et le processus d'individualisation. Eh bien, grâce à ces informations, très personnelles, je vais désormais passer la parole à Sally Arthur. Merci infiniment, Catherine. Nous aurons peut-être eu l'occasion d'en reparler. Mon rôle dans l'équipe a toujours été extrêmement important. Et ça a été vraiment très fantastique d'entendre le retour que nous recevons de ce webinaire et en particulier les élans de solidarité pour les personnes et nos clients, collègues qui souffrent en Ukraine. Et nous nous rappelons incessamment que nous avons des collègues ukrainiens qui sont en ligne de front et qui nous permettent justement de nous attaquer au mal de la guerre.
La guerre m'a obligé à repenser de manière beaucoup plus profonde à la nature du mal, comment cela peut toucher les différents aires et toutes différentes zones de notre vie, dans nos groupes sociaux, dans nos organisations et dans la politique de nos nations. Et j'ai réfléchi à l'importance de parler et de s'élever contre l'injustice et l'oppression. À qui appartient cette responsabilité? Est-ce que c'est la responsabilité des institutions ou celle des institutions? Et qu'est-ce qui se passe si l'institution à laquelle nous appartenons ne parle pas? Quelles sont les conséquences pour nous si nous parlons? Et quel prix allons-nous payer et quel prix vont payer les personnes que nous aimons? Et qu'est-ce qui se passe si nous ne parlons pas contre? Eh bien, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et c'est ce qui peut être le plus difficile. Dans un conflit entre l'ego et le soi. Et pendant cette réflexion, je pensais que l'opposé du mal n'est pas le bien, mais l'amour. Et Jung a parlé du rôle protecteur de la communauté humaine, et c'est ce que nous recréons ici. Nous créons un conteneur, un réceptacle où le mal peut être discuté. Et chacun d'entre vous permet justement d'avoir ce réceptacle. Et simplement d'être ici, c'est un acte d'amour et qui peut justement de contrebalancer, si ce n'est combattre les forces du mal. Et comme nous le faisons au début de chaque webinaire, nous allons penser aux personnes qui luttent contre l'éradication et la disparition. Et les attaques par les impérialismes. Et nous parlons des personnes qui ont été torturées, qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont été déplacées, qui ont été kidnappées, qui ont été séparées de leur famille. Et nous, par conséquent, nous allons commencer une minute de silence maintenant. Merci. Et avant que je vous présente nos intervenants, je voudrais vous parler de la fonction de questions-réponses qui est disponible et vous allez avoir l'opportunité de poser des questions après ces présentations. Et Maxime Ilioshenko est un collègue jungien qui va nous rejoindre depuis Londres et qui va être la voix pour vos questions ukrainiennes. Et vous pouvez par conséquent poser vos questions dans la boîte de questions-réponses en ukrainien ou en anglais. Et si vous souhaitez parler oralement, n'oubliez pas de mettre un astérisque derrière votre question. Donc aujourd'hui, nous avons trois intervenants qui vont nous amener dans une autre dimension dans notre recherche d'une réponse au mal. Et je vais maintenant vous faire la présentation de Monsieur Murray, Stein Murray, qui est bien connu de nombre d'entre nous grâce à ses études jungiennes, qui est un enseignant avec une vaste bibliographie. Il a travaillé et enseigné depuis plus de 50 ans, c'est presque un demi-siècle. Et en plus de son travail clinique et de sa participation avec l'UWJ, c'est un membre clé du comité fondamental de l'IAAP et qui travaille pour savoir quelle est la signification culturelle et psychologique du travail de l'IAAP. Et nous allons maintenant passer la
La présentation de Diane Stanley, qui travaille dans au Devon du Sud, où elle est également artiste. Elle a toujours été très intéressée dans la psychologie jungienne et elle va partager un peu plus tard son grand rêve. Et avec Sergei, elle nous a envoyé des mandalas qui sont apparus dans les diapositives d'introduction à ce webinaire. Et ensuite, nous allons passer la parole à Sergei Tekliuk, qui est psychiatre, psychanalyste et enseignant à l'université en psychologie. Il est le président de l'UGA et il m'a dit que lorsqu'il faisait ses études, il y a de nombreuses années cela, il n'imaginait pas rencontrer son auteur favori, Murray Stein. Eh bien, nous sommes tout à fait ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui et je vais maintenant vous passer la parole. Merci infiniment. Chers collègues, chers participants, je m'appelle Serhii Taitekliou, que je suis actuellement en Ukraine, dans ma ville. Et je suis dans mon bureau, à l'hôpital, où j'enseigne la psychiatrie aux étudiants de médicaux et où je mène mes activités analytiques. Ici, à l'hôpital, nous avons de l'électricité qui est stable et une connexion Internet qui ne risque pas de disparaître d'un moment à l'autre. Et en tant que membre de l'IAAP et en tant que membre de l'UJA, pardon, je suis ravi de rejoindre ce webinaire pour cette présentation. Pour moi, le sujet de cette présentation est bien en lien et cohérent avec ce qui a déjà été fait au cours des webinaires précédemment, qui a été présenté par Lionel Corbett, entre autres. Et pour moi, il s'agissait d'avoir des réflexions sur Dieu, du soi, de la transcendance et le fait de l'existence du mal. Et nous espérons que nous allons tous apprécier les présentations d'aujourd'hui et nous allons pouvoir participer un peu plus tard, après les présentations, aux discussions, après les présentations et la séance d'imagination active que nous avons prévue. Merci Sergueï. Ça a vraiment été un plaisir de travailler avec vous sur ce programme et d'apprendre à vous connaître davantage. Et j'espère que notre relation va pouvoir perdurer et s'enrichir encore davantage à l'avenir. Je m'appelle Murray Stein et je parle depuis mon domicile en Suisse. Ma présentation d'aujourd'hui va se concentrer sur la manière dont nous pouvons trouver une solution au problème du mal dans notre monde d'aujourd'hui et sur un grand rêve de transcendance. Et par conséquent, j'ai demandé à Diane Steinley, qui va nous parler depuis l'Angleterre, de nous parler d'un rêve un peu plus tard, également en lien avec les associations d'un rêveur ou d'une rêveuse, et de montrer également certaines de ses peintures qui sont en lien avec les images de son rêve. Nous vivons aujourd'hui dans un monde marqué par le problème du mal. Le mal nous entoure, et cette guerre en Ukraine est un atroce exemple de cela. Une question que chacun d'entre nous doit se poser, c'est comment nous pouvons apporter une réponse au mal? Et pour répondre à cette question, je vais revenir dans le passé, à l'époque de la gnose, des gnostiques, pour avoir quelques indications au sujet des origines du problème du mal et comment y trouver une réponse. Et je parlerai ensuite de la réponse de la psychologie au mal et regarder ce rêve moderne de transcendance qui suggère une solution proche de la gnose. Et en conclusion, nous nous retrouverons pour quelques minutes de méditation au sujet
de cette image de la permanence. Les gnostiques voyaient le monde comme la création du démiurge, une divinité ratée. Et dans certains des textes, il est nommé Yaldabaoth. En tant que créateur et maître de ce monde, il était tenu pour responsable de cette condition terrible que les gnostiques décrivaient, et de manière absolument incertaine, comme étant un royaume où le mal prévalait. C'est notre monde. La condition humaine, de manière générale, était diagnostiquée comme étant une confusion aveugle et une corruption totale. Yaldabaoth, l'unique créateur de ce monde où les humains étaient réduits en esclavage et servaient un maître mauvais, qu'il le sache ou pas, qu'il le veuille ou pas. Eh bien, ce Yaldabaoth a été identifié comme étant la source du mal. Et avec ce mythe, les gnostiques ont été en mesure d'identifier la source du mal que nous connaissons grâce à l'expérience que nous faisons au quotidien. Ils ont également une réponse prometteuse au problème. Et cela est venu par la figure d'un sauveur ou d'un messager qui nous a montré un chemin pour nous extirper de ce cauchemar, de cette existence totalement infernale. Et voyez, écoutons maintenant l'histoire de Yaldabaoth. Qui est Yaldabaoth? Selon un texte gnostique qui a été connu, que nous appelons par le jeune codex, un texte qui s'appelait l'Apocryphe de Jean, eh bien, nous apprenons que Yaldabaoth est le créateur de ce monde. Nous vivons dans le monde de Yaldabaoth. Le contexte de cette histoire, selon l'Apocryphe de Jean, est que les premières générations, les générations précédentes des dieux, que nous appelons des archontes, étaient créés en couple. Et chaque couple s'unissait pour produire un nouveau maillon dans la chaîne des êtres. Et cette nouvelle génération était créée par un effort conjugal, coopératif de deux archontes dans la génération précédente. Il y avait par conséquent des couples. Et ce schéma normal a changé de manière abrupte par la génération de Sophia lorsqu'elle a décidé de créer un enfant toute seule et sans partenaire. Et le texte dit qu'elle voulait faire sortir quelque chose d'elle-même, similaire à elle-même, sans le consentement de l'esprit, et l'esprit n'a pas approuvé, et que ce soit sans son épouse et sans son consentement. Et le résultat de tout cela n'est pas ce que Sophia avait prévu. Et Sophia a été totalement déçue. Et la réaction de la monstruosité de cet enfant monstrueux qu'elle a mis au monde, c'était la honte. Une fois qu'il est sorti de l'utérus, Yaldabaoth a continué à s'enrichir avidement avec le pouvoir d'aspirer de sa mère Sophia. Et avec cette richesse d'énergie,
Il crée une foule d'êtres inférieurs. Il fait que dans le but principal est de le servir. Dans cette création d'esclaves, il montre sa vraie nature, son vrai visage. Quand il a fini de façonner les 365 serviteurs qui l'auront servi, qui le serviront, il regarde autour de lui avec satisfaction et se déclare être le seul et unique Dieu. Et ainsi, il s'élève dans la position de souverain absolu, au-delà de tous. C'est un dictateur. Il est autocrate. C'est un tyran. Et il est nullement équilibré mentalement. Il n'est pas sain d'esprit. Du point de vue psychologique, ce que les gnostiques ont identifié dans l'archon de Yaldabaoth est un type de complexe d'ego non évolué et enfantin qui a subi un arrêt de son développement. Donc, c'est comme s'il avait 2 ans. Psychologiquement, il a 2 ans. Et cette structure de l'ego est devenue dominante dans l'humanité. Ça, c'est le point de vue des gnostiques. Donc, cette structure de l'ego a vraiment prévalu dans l'humanité et c'est la même chose. Cela nous est aussi familier aujourd'hui, autant qu'il était pour les gnostiques il y a 2000 ans. Nous pouvons le trouver dans nos passions, dans nos concitoyens, dans les dirigeants politiques du monde et en nous-mêmes. L'ego narcissique. Yaldabaoth représente aussi le soutien culturel sous-jacent au complexe égoïste. Et il y a aussi un complexe type individualiste, contrôlant, narcissique, confus, est si familier dans le monde d'aujourd'hui. Les psychologues, comme les anciens diagnosticiens gnostiques, le considèrent pathologique à la fois pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé mentale. Il conduit à une névrose sévère et au mieux à la sociopathie et à la psychopathie au pire. C'est un monstre, comme les gnostiques l'ont décrit. Et maintenant, si on parle de la réponse des gnostiques au problème du mal, comme ça a été déjà exprimé dans l'Évangile de la vérité, un autre texte très important pour les gnostiques, dans la littérature des gnostiques, il y a une petite interruption, quelquefois ça se coupe, c'est pour ça qu'on arrête notre interprétation. Désolé, les gnostiques avaient une réponse à ce problème du mal que représente Yaldabaoth. Dans l'Évangile de la vérité, nous trouvons une réponse au mal qui est étonnamment en ligne avec ce que Jung a écrit dans sa réponse à Job. Le texte offre une réponse au problème du mal. Donc, je vais lire des citations, des portions de texte, l'évangile de la vérité dans la traduction psychologique du texte. J'ai utilisé un vocabulaire jungien pour porter un peu ce texte antique dans notre discussion odierne. J'ai cherché un peu de... Donc, c'est une traduction d'une partie de ce texte où j'ai utilisé un vocabulaire jungien pour qu'on puisse ramener des contextes vieux à notre discussion odierne. L'ego vit dans le soi, mais ignore ce fait-là. Ainsi, l'ego cherche le soi, ne réalisant pas qu'il est réellement contenu en lui.
Maintenant, il devient confus et terrifié. Et dans cette confusion et cette terreur, il crée un substitut à la vérité, qui est une fausse image de soi. Donc, un idole, un peu. Lorsque l'ego est tombé un peu dans ce brouillard d'illusions, il a créé encore plus de terreur, de confusion, et a cherché à trouver compagnie avec les autres. Bientôt, beaucoup vivaient ensemble de manière collective. Donc, c'est dans un brouillard collectif qu'ils vivaient tous ensemble. Maintenant, c'est l'histoire de la venue du symbole qui efface le brouillard de l'illusion et fournit des vraies informations sur le soi. La connaissance, ce symbole est l'enseignement, un guide vers la vérité du soi. Donc, la connaissance latente de soi se trouve à l'intérieur d'une personne. Mais seul un symbole peut faire ressortir cela au grand jour et le montrer de manière convaincante. Donc le soi tend la main à l'ego à travers le symbole et de cette façon, il attire l'ego à lui-même. Le symbole est le moyen par lequel la connexion au soi est rendue consciente. En soi, l'ego est tension, criblé d'envie, de conflit, de confusion, mais quand l'ego est uni au soi, ou s'unit au soi, sa défiance cesse. Maintenant, l'ego devient rempli du soi. Et quand le soi est connu, l'envie et la lutte prennent fin. L'ego doit se taire et faire de la place pour le soi. Quand la connaissance du soi s'installe ou arrive, quand quelqu'un y arrive, l'ego se réveille de ce cauchemar et voit à travers ses illusions. Et maintenant, il ressemble à un rêve irréel. Le soi éveille l'ego de nouveau et une nouvelle conscience est éveillée. Le soi accomplit cette fonction d'éveil en s'incarnant dans un symbole tangible. Le symbole apporte la connaissance du soi, il apporte la lumière, il libère l'ego de la culpabilité et de l'esclavage des anciens complexes. Le soi est parfumé et chaleureux. L'ego est froid. L'ego sans le soi est malade et déficient. Le soi est comme un médecin qui vient guérir. Quand le soi vient, l'ego ne doit pas cacher sa défiance. Le soi médecin appliquera une pommade qui est l'empathie, la compréhension, se sentant accepté, l'ego sera guéri. Et c'est ce que disait l'évangile de la vérité, le texte des gnostiques, une partie que j'ai traduit moi-même. Voilà. Maintenant, on va parler de Jung et des gnostiques. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent que Jung s'est placé lui-même et sa psychologie dans la profondeur directement en ligne avec la tradition des gnostiques. La psychologie analytique, vous pouvez le lire ça dans son livre.
La psychologie analytique, telle qu'elle est si profondément fondée sur les expériences intérieures de Jung, telles qu'elles sont consignées dans le livre, et par conséquent, aussi une psychologie de type gnostique qui voit au-delà de la conscience de l'ego, de l'individu et du complexe culturel et des dominants de la société. Et de là, jusqu'au niveau archétype au plus profond de la psyché. Et comme l'évangile, c'est la vérité, sa pratique repose sur des symboles en tant que messager du soi. Dans le même temps, il convient de souligner que la théorie psychologique et la psychothérapie de Jung ne diabolisent pas le complexe de l'ego, qui est le noyau central de l'identité consciente d'une personne. Et c'est très nécessaire pour vivre, être dans ce monde. Au contraire, la tentative est faite pour amener l'ego à prendre conscience de sa source ultime et de son fondement dans le soi par le biais du symbole. Jung et les gnostiques défient la suprématie de l'ego en montrant qu'il n'est pas le fondement de son propre être et qu'il doit son existence, son énergie et sa volonté à une source plus grande. Le soi. En fin de compte, soi est sans fond et illimité. Au-delà de toutes les singularités, l'unité dans la diversité de la création. En tant que tel, il est innommable. Et comme Jung le dit dans les dernières lignes de son livre, c'est l'unique dont la forme n'a pas de frontières connaissable, qui nous entoure de tous côtés, insondable, comme les abîmes de la terre et vaste comme le ciel. Les rêves nous présentent parfois des symboles lumineux et sont ce que Jung a appelé dans son mode, ce grand rêve. Tel rêve nous semble des symboles et nous emmène dans un royaume de l'inconnu mystérieux et peut-être même de l'inconnaissable. Dans les moments difficiles, il est particulièrement important de garder à l'esprit que ce que royaume mystérieux est permanent, alors que tout ce qui est temporel finira par passer dans l'oubli. Un tel rêve a attiré mon attention récemment. Diane nous dira le rêve et les associations du rêve maintenant, et je le commenterai par la suite. Je suis chez moi et je marche jusqu'au quatrième étage où se trouve mon studio d'art. J'y suis allé plusieurs fois, mais cette fois, je vois un autre escalier qui monte. Cela me surprend parce que je pensais que le quatrième étage était le dernier, le sommet de ma maison. Je suis curieuse. Alors, je décide de suivre les escaliers vers le haut. Je monte et quand j'atteins le sommet, il y a une grande porte que je décide d'ouvrir.
Il y a une grande porte, je décide de l'ouvrir, la porte, et voir de ce qu'il y a à l'intérieur. À ma grande surprise, il y a une grande pièce vide avec un feu brûlant au milieu. Ça pourrait brûler toute ma maison. J'y vais d'urgence pour le vérifier. Je cherche et je cherche du carburant, mais j'en trouve pas. Il n'y a ni bois, ni charbon, et ni rien d'autre. En fait, le feu plane légèrement au-dessus d'une plateforme. Quelque chose de très étrange se passe. Un incendie sans carburant. Ça m'arrête dans mes traces. Mon esprit devient complètement vide. Et je me tiens là, dans un état d'étourdissement. Quand je sens quelqu'un derrière moi, je me retourne pour voir qui c'est. C'est le maître, le professeur. Il se tient à la porte. Il regarde attentivement le feu, pardon. Je vais le rejoindre. C'est alors que je remarque que des rayons de lumière remplissent toute la pièce. Nous restons ensemble pendant un bon moment. Alors le maître dit, c'est vrai. Garde la porte ouverte. Les gens viendront voir ça. Les gens viendront voir ça. Les associations de rêveurs, l'enseignant est quelqu'un que j'ai vu ou entendu dans mes rêves plusieurs fois. Il semble apparaître lors d'un moment important ou de transition dans ma vie. Quand j'ai de grandes décisions à prendre, le feu lui-même, je ne sais pas vraiment pas quoi en faire. Je n'ai jamais vu rien de pareil. Il y a un sentiment de mystère, de révérence. Et que m'a dit le professeur? Il m'a dit de garder cette porte ouverte parce que des gens vont venir voir le feu. Et je suis tout à fait prête à suivre son conseil, mais je ne sais pas ce que cela signifie d'une manière plus concrète. Et donc je continue à y réfléchir. J'ai mené 3 séances d'imagination active afin d'essayer d'intégrer ce rêve au cours des 2 dernières années. Imagination active numéro 1 consistait justement à avoir ce cinquième étage et le contextualiser avec le reste de la maison. Et quelles sont les expériences dans ma vie qui ont créé cette maison? Et qui ont amené cette découverte. Et par conséquent, je le représente d'une manière symbolique, en partant du bas vers le haut, et je note comment les activités de la vie au quotidien se sont accumulées, se sont créées les unes sur les autres, au fur et à mesure des années. En regardant ce dessin, je peux voir maintenant que où se situe le feu et que le cinquième étage s'intègre dans la vision globale que j'ai de cette maison. Séance d'imagination active numéro 2. Pour ce qui en est des sentiments, le feu est davantage centré à l'intérieur de la maison. Pourquoi? Pourquoi le placer au milieu de cette maison? Eh bien, simplement, parce que cela donne du sens à tout. Cela donne de la chaleur, de l'énergie à tout. Et de l'amour. C'est le cœur de cette maison. L'essence indestructible de cette maison.
Séance d'imagination active numéro 3. Au cours de cette troisième et dernière imagination active, je suis arrivé à comprendre que le feu éternel ne m'appartient pas et n'est pas limité aux quatre murs de ma maison et ne dépend pas de combustible ou de quelconque matière physique. Rien ne le bloque et il va là où il veut aller. La lumière de ce feu se répand dans toutes les directions et dans chacune des activités de ma vie au quotidien. Diane, est-ce que vous pourriez nous répéter encore une fois votre rêve afin que nous puissions l'avoir bien en tête? Donc, je suis dans ma maison et je monte jusqu'au quatrième étage où se situe mon studio d'art. J'y suis déjà allé plusieurs fois, mais cette fois-ci, je vois un autre escalier qui monte. Et cela me surprend parce que je pensais que le quatrième étage était le dernier étage de ma maison. Je suis curieuse et par conséquent, je décide de monter ces escaliers. Je monte. Et je monte encore. Et lorsque j'arrive au sommet de cet escalier, il y a une grande porte. Je décide par conséquent d'ouvrir cette porte et de voir ce qu'il y a dans la pièce. Et à ma grande surprise, il y a une grande salle vide avec un feu qui brûle au beau milieu. Un feu. Eh bien, cela pourrait brûler toute la maison et par conséquent, je me dépêche de vérifier de quoi il en est. J'observe, je regarde, je cherche un quelconque combustible qui l'alimenterait et je ne trouve rien. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de charbon, de pétrole, d'huile. Et en fait, le feu plane très légèrement à quelques centimètres au-dessus d'une plateforme noire. Et je sens quelque chose de très étrange qui est en train de se passer, un feu sans combustible. Et ça me fait m'arrêter dans mes pas. Et mon esprit est totalement vide. Et je me tiens droite, un peu étourdi, je sens quelqu'un derrière moi. Je me retourne pour voir qui c'est. Il s'agit du professeur, qui se tient sur le seuil de la porte. Il regarde de manière très intense ce feu. Je le rejoins. Et c'est à ce moment-là que je remarque que des rayons de lumière remplissent l'intégralité de la pièce. Nous restons ensemble, côte à côte, pendant quelques instants. Et enfin, le professeur dit « C'est réel. Laisse cette porte ouverte afin que les gens puissent venir voir ce feu. » Et c'est la fin du rêve. Ok, nous y voilà. Merci beaucoup, Diane, pour cette très belle lecture de votre rêve. Je voulais uniquement donner quelques commentaires sur ce rêve. Premièrement, le feu qui s'alimente lui-même dans ce rêve est un symbole puissant et qui montre le surnaturel dans le surnaturel, dans le naturel. Ce feu nous fait apparaître une présence quasi divine dans cette maison du rêve, du rêveur, à l'intérieur d'elle-même. Et cela représente l'énergie inépuisable du soi, le Dieu à l'intérieur et le Dieu à l'extérieur. Ce feu n'appartient pas à ce monde.
Il est plutôt du monde de l'égo-conscience et de la temporalité, où tous les feux, grands et petits, ça appartient à notre ordre. Ça ne dépend pas. Ça dépend de rien. Ça ne dépend que des mystérieux et infiniment l'éthiologie. Ça, c'est la définition de Dieu. Donc, ce feu n'est qu'un symbole qui offre une expérience d'éternité. Un feu, une présence divine, donc un feu qui brûle mais sans carburant. Le feu ne peut plus être alimenté, c'est surnaturel et il attire sur nous toute notre stupeur, notre émerveillement, notre étonnement. Que nous, en tant qu'invités, sommes invités à contempler dans cet espace, c'est une réalité psychologique au-delà de la temporalité et de l'emplacement limité. C'est quelque chose de radicalement différent du monde, du temps et de l'espace. Le monde que nous connaissons avec nos sens et par l'observation scientifique est limité par la conscience de l'ego, la causalité et de l'entropie. Un feu doit être alimenté par du combustible pour continuer à brûler. Et lorsque le combustible est consommé, il doit l'être, ou comme ça devrait être, il mourra. Le feu s'arrêtera. C'est une loi fixe de la nature. Une fois, j'ai escaladé une colline escarpée avec un ami sur l'île sacrée de Miyajima au Japon, jusqu'à un temple shintoïste sur le sommet qui contenait un feu qui avait brûlé continuellement pendant 1000 ans. Selon les archives locales et le témoignage du prêtre présent. C'était impressionnant de se tenir devant ce petit feu dans un espace sacré et de contempler sa longévité avec une incroyable dévotion. Les prêtres avaient maintenant ce feu à travers toute l'histoire tumultueuse qu'il avait tourbillonné à cette époque. Guerre civile, catastrophe naturelle. Même la bombe atomique qui avait été larguée sur Hiroshima, pardon, en 1945. Et à ce jour, ils ont humblement alimenté le feu régulièrement et rituellement pour le garder allumé. Mais ce feu, si long qu'il soit, doit être alimenté par un combustible extérieur à lui-même, externe, il n'est pas autosuffisant. Parce qu'il a été maintenu pendant si longtemps, il suggère la luminosité d'une flamme éternelle. Mais en effet, c'est une imitation et appartient au monde du temps et de l'espace.
Il y a une cause extérieure à son existence. Il ne pouvait pas faire autrement. Dans la cinquième dimension, le feu n'est causé ni alimenté par une source extérieure à lui-même. C'est un mystère au-delà de la compréhension humaine. Il y a beaucoup de symboles dans l'éternel, dans le mythe du monde, mais un feu autonome suggère un type spécifique d'énergie, à savoir de l'éros. En termes typologiques, c'est une expression de la fonction émotionnelle. Chaleur, passion, énergie transformationnelle. Parmi les organes du corps subtil, c'est le cœur qui serait associé au feu. Le feu éternel est le type d'amour divin que Dante a expérimenté dans sa vision ultime de la divinité à la fin de son voyage à travers les royaumes au-delà. Soudain, il a été frappé comme par la foudre, comme il était écrit dans le Paradiso. Et lorsqu'il écrivait le Paradiso, et il est absorbé et dans son propre corps, l'amour qui bouge, qui fait bouger le soleil et les autres étoiles. Fin de citation. Et le poète est totalement transformé par cette exposition à l'amour divin. Le feu éternel, auto-alimenté, dans ce rêve, représente précisément cela et rien d'autre, et rien de moins, l'amour divin. C'est la raison pour laquelle ces gens sont invités et accueillis pour connaître cette expérience dans cette maison. On pourrait penser que le cinquième étage a toujours été là. Mais maintenant, une porte est ouverte. Une porte vers le royaume de la psyché, qui a toujours été présente et toujours active, mais qui a peut-être jusqu'à maintenant été perçue ailleurs, grâce à un phénomène extraordinaire de projection dans d'autres lieux, et par des professeurs exotiques ou étrangers. Le rêve montre l'emplacement de cette flamme éternelle et lumineuse qui se trouve à l'intérieur, sur la terre comme au ciel. Dieu à l'intérieur et Dieu à l'extérieur et Dieu au-dessus. Si dans un monde moderne, les divinités des traditions religieuses ont disparu des autels et des sommets des montagnes, elles sont désormais trouvées dans la psyché en tant qu'image archétypale et en tant que pouvoir archétypaux. Le royaume éternel et transcendant de la divinité s'est déplacé. Cette maison à cinq étages dans le rêve est une structure unique et unifiée, un ensemble totalement intégré. Merci beaucoup, ça a été très intéressant pour moi d'apprendre davantage sur ce rêve de la flamme éternelle, ces associations de rêve et les réflexions de Muret sur ces images et le message du rêve. Et j'ai ressens de l'espoir lorsque Muret et moi-même nous avons commencé à préparer ce webinaire. Eh bien, j'ai partagé mon expérience de la guerre en tant qu'être humain et en tant que psychologue. Et j'ai également partagé mes questions qui restent encore une fois sans réponse. Avec les premières explosions dans la matinée du 24 février de l'année dernière, j'ai découvert en moi quelque chose dont je n'avais pas conscience jusqu'à maintenant, la peur absolue de la mort. Pendant quelques minutes, qui ont semblé être des heures, il y avait un engourdissement, une impossibilité de comprendre ce que je devais faire.
Certaines des personnes que j'aimais ont ressenti de la panique et le désir immédiat de s'enfuir, et tout le monde faisait l'épreuve d'un stress immense. Et grâce au soutien en termes d'information de la part de nos collègues étrangers, nous allons être en mesure justement de gérer et d'avoir ces méthodes de premiers soins psychologiques pour moi-même et pour les autres, et cela a été d'une grande utilité. Cependant, avec chaque jour qui passait, il y avait davantage de tensions, de stress de différents types, de nombreuses connaissances et parents avaient quitté leur maison et étaient partis en Occident pour chercher une sorte de refuge. Certaines personnes ont été mobilisées, recrutées par l'armée. D'autres ont continué à travailler et à soutenir l'armée ukrainienne financièrement et par des actions de volontaires. Et ces personnes, ces Ukrainiens qui n'ont pas été tués par les soldats russes, ont réussi plus ou moins de manière réussie à survivre au cours des premières semaines et premiers mois de la guerre en espérant que la guerre s'arrêterait. Mais la guerre n'a pas pris fin. Et nous nous habituons à vivre dans cette guerre. Encore une fois, il y a des avertissements avant une attaque aérienne et la vie s'arrête. On doit attendre 1 heure, 3 heures. Encore une fois, l'électricité est coupée. Il n'y a plus de connexion. Et il est désormais impossible de travailler. Et nous devons par conséquent attendre que l'électricité revienne. Et il y a des nouvelles qui nous parviennent de nos amis, de nos connaissances, au sujet d'un mari qui a été tué, d'un fils qui a été blessés, et nos cœurs se remplissent de larmes et de tristesse, et nous devons encore une fois attendre avec de la rage, avec de la colère et de la haine contre ces criminels de guerre. Cet sentiment de haine soulage un peu la douleur, mais pas pour longtemps. Il y a encore une fois un avertissement avant une attaque aérienne. L'électricité est encore coupée pendant 4 heures, encore une fois. Quelqu'un que vous connaissez va allumer une bougie pour commémorer la disparition de quelqu'un qui était cher, ou va demander de l'argent pour avoir une prothèse de jambe pour un enfant, ou pour une fille, un fils. Et quelquefois, nous entendons les Poutines émettre des menaces d'armes nucléaires tactiques contre les Ukrainiens, et nous disons simplement d'aller se faire foutre. Mais ces explosions nucléaires, c'est quelque chose de terrifiant. Et les méthodes de premiers soins psychologiques sont la première chose à laquelle nous pensons si nous survivons. 6 mois passent, ensuite 1 année et maintenant plus d'un an. Pour être tout à fait objectif, la vie en Ukraine devient de plus en plus difficile. Nous avons moins d'énergie pour avoir peur, pour haïr et pour être triste. Nous oublions les algorithmes des premiers soins psychologiques parce que nous pensons que c'est moins important qu'il ne l'était au premier jour de la guerre. Il est important de trouver un sens à ce qui se passe et de quelle est la vie, quel genre de vie nous avons dans ces conditions. Il y a des questions qui se posent et les algorithmes ne peuvent pas répondre à tout. Mais où pouvons-nous chercher ces réponses? Est-ce que la psychologie analytique peut nous aider? Et Jung a dit qu'un homme peut surmonter les obstacles les plus incroyables lorsqu'il est convaincu que cela a du sens. Et la question, par conséquent, ne devrait pas être posée à quelqu'un, mais à personne d'autre que moi-même. Si j'ai fait confiance à Jung, je dois regarder la force et la sagesse que j'ai déjà en moi-même. Une partie de moi-même qui m'a été inconnue jusqu'à maintenant et qui a désormais le pouvoir de me relever et qui me permet de dépasser ce qui est insupportable, ce qui est intolérable et horrible dans cette réalité. Quelquefois, lorsqu'une personne est prête,
le soi lui-même contacte la personne. Et comme nous le voyons dans ce rêve de ce feu qui ne s'éteint jamais. Et comment puis-je me tourner vers cette force et cette sagesse que j'ai à l'intérieur? Il est certain que chacun d'entre nous a sa propre manière d'entrer en contact avec son soi. Peut-être que nous recherchons cette méthode. Il semble que ce rêve de cette flamme éternelle suggère une manière ou une autre qui pourrait nous permettre d'avoir un dialogue avec le soi afin d'avoir nos réponses. Merci beaucoup, je trouve c'est tout à fait impressionnant de voir la manière dont vous pouvez travailler et vivre dans un monde matériel aussi incertain et aussi menaçant, et que vous pouvez néanmoins continuer à participer dans une mission, une vision, pardon, de l'éternel et du permanent. Vous avez subi des épreuves très importantes et vous êtes vraiment le témoignage d'une résilience de l'esprit au milieu de la terreur. Et vos mots amènent une vie à la temporalité, à la vie dans cet esprit, ensemble, dans une seule maison, votre conscience. Et je souhaite maintenant parler à notre public en ligne. Dans quelques instants, vous allez être invité à participer à un acte d'imagination active. Et ce que nous aimerions que vous reteniez de cette présentation, c'est le sens de la dimension du cinquième étage qui est en vous. Cette courte séance d'imagination active va ouvrir une porte, cette porte qui mène au cinquième étage, pour vous, dans votre propre maison. Et si certains d'entre vous ne sont pas tout à fait familiers avec cette méthode jungienne de travail interne, je vais donner quelques mots d'instruction. Nous allons commencer tous par entrer dans une pièce, cette pièce de la flamme éternelle dont vous avez entendu parler dans ce rêve. Et lorsque vous allez rejoindre cette pièce, essayez de libérer votre esprit de toutes les autres pensées. Essayez d'observer des images qui arrivent dans votre esprit. Vous pouvez également amener certaines de vos inquiétudes dans cet espace imaginaire, mais soyez confortable et à l'aise avec tout ce qui arrive et essayez de noter pour plus tard ce qui se passe. Et plus tard, demain ou encore après, vous pouvez peut-être revenir à cette image dans votre imagination et continuer ce processus. Aujourd'hui, nous allons passer uniquement 5 minutes dans cet acte d'imagination active, juste pour que vous puissiez vous lancer. Et une fois que nous aurons fini cette séance d'imagination active, vous pouvez noter quelques notes pour vous souvenir ce que vous avez vu, et vous pouvez ensuite peut-être le partager avec nous au cours de la séance de questions-réponses. Ok, Diane, merci d'ouvrir la pièce pour nous et d'inviter tout le monde afin que nous puissions rentrer dans cette salle. Merci, vous pouvez tous rentrer, vous êtes tous les bienvenus, mais nous avons peut-être demandé à nos amis ukrainiens de rentrer en premier. Fantastique, et bien maintenant, chacun d'entre vous, chacune d'entre vous pouvez nous rejoindre, où que vous soyez dans le monde. Nous sommes ensemble au cinquième étage pour 5 minutes d'imagination active.
Maintenant, on pouvait laisser la pièce de la flamme éternelle et retourner à votre état normal de conscience éveillée. Vous êtes de retour avec nous dans ce webinaire, mais gardez à l'esprit ce que vous avez vécu en vous-même au cours de cette imagination active. C'est votre chambre intérieure. Vous pouvez y revenir à l'avenir à tout moment. Si vous en avez besoin ou si vous le désirez. Et votre espace, votre chambre de la transcendance, la chambre de la flamme éternelle de l'esprit. Dans notre discussion qui commencera maintenant, vous pouvez partager une partie de votre expérience d'imagination active si vous le souhaitez. Nous ouvrons maintenant l'espace pour des questions, des commentaires, des discussions entre tous les participants. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous joindre à cette conversation. Bienvenue à Maxime Yachenko qui va nous aider surtout avec les questions en ukrainien. Peut-être que je pourrais commencer avec une première question et je vais faire cette question à tous nos intervenants. Je remercie tous les organisateurs, entre autres. Quand je parle avec les collègues, quand je suis en Ukraine avec les collègues qui travaillent en Ukraine, je me rends compte que qu'au début de la guerre, on était bien sûr tous choqués. Il y en a beaucoup qui ont pris beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait. Mais les personnes qui avaient plus de ressources, on s'est rendu compte, ce sont les personnes qui ont déjà eu un traumatisme similaire durant leur enfance ou en précédence et qui avaient déjà entrepris un processus de thérapie. Donc, ils ont tout de suite reconnu le traumatisme, ils ont tout de suite commencé à travailler en tant que volontaires parce qu'ils avaient ces ressources à travers le travail qu'ils ont déjà fait, leur thérapie. C'est juste mon observation. Je ne sais pas si Thierry et Mireille peuvent commenter cette condition de paradoxe. Donc, personnes déjà traumatisées se sont transformées, pardon, en outils. Ils ont utilisé ce mal qu'ils ont intériorisé et qui s'est transformé en une ressource collective et qu'ils ont mis à disposition. Et j'ai vu ça plusieurs fois. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Là, on le sait. Si vous avez déjà vécu des situations de traumatisme, vous avez survécu, pas seulement survivre, mais vraiment être allé au-delà de ces traumatismes. Donc, c'est thérapie dont vous parlez ont été de très bonnes thérapies. Ça a marché, ça a créé cette résilience, cette résistance dans ces personnes. Et ils arrivent à contrôler, à avoir ce contrôle sur le traumatisme. Surtout quand ils sentent cette peur, tout ce qui remonte de l'intérieur de soi-même, et ils arrivent à contrôler. Mais dans ce cas, grâce à cette thérapie, ils sont devenus des vétérans, entre parenthèses, contrairement à d'autres personnes qui regressent dans cette situation de traumatisme, ils intériorisent tout et ils vont en profondeur, alors que les personnes qui sont des vétérans, ils ont déjà fait un travail de thérapie, et ben ils ressortent, ils rejaillissent vers le haut et ils mettent ces ressources à disposition des autres.
Mon expérience, j'ai pas vraiment noté ce lien entre cause et effet, mais j'aimerais quand même dire que les personnes qui ont reçu ou qui ont déjà fait des thérapies ou qui ont continué à avoir des thérapies, à faire des thérapies, même en ligne, ces personnes ont développé cette résilience interne et ils ont réussi à aller au-delà, à dépasser le choc, le premier choc de la guerre qui était fort, mais je ne peux pas vous confirmer ça, je ne peux pas vous la décrire, je suis d'accord avec vous. Si une personne a entrepris un parcours, une thérapie très profonde, cette personne très probablement cette résilience en lui-même, en elle-même, en soi-même. Moi aussi, j'ai été très, très choqué personnellement durant cette invasion. J'aimerais bien savoir un peu plus, en savoir un peu plus, pardon, sur ces personnes, ce qu'a dit Sergei au début. Cette expérience a un sens? Est-ce qu'elle a un sens? Je pense à Viktor Frankl, par exemple, qui a vécu à Auschwitz. Il avait une mission dans sa vie et il a voulu la développer. Sa vie avait un sens, a eu un sens. C'est pour ça qu'il a survécu à des conditions gravissimes, effroyables dans les camps de concentration. Et il est sorti comme... Il en est sorti plus fort. Sa vie avait un sens, avait un pourquoi. Il a écrit un livre, il a fondé une école de thérapie après la guerre. Avoir un objectif dans la vie. Je ne suis pas en Ukraine, je parle, je ne suis pas sur terrain, je parle en général, vous me pardonnerez, mais en imaginant ce qui se passe, les choses pour lesquelles vous souffrez, vous luttez, ont un sens, auront un sens à long terme. Votre identité nationale en sortira renforcée de toute cette souffrance. La révolution américaine a duré 4 ans, mais c'est de là qu'il y a eu cette constitution américaine. Moi, je crois que quelque chose de similaire est possible pour l'Ukraine. Je suis impressionné la façon à travers laquelle vous continuez à aller de l'avant encore et encore. Vous continuez à travailler, à vivre, à lutter, parce qu'il y a un sens ça, pour vos enfants, pour vos futurs, pour les générations futures. Quelque chose de bien, de bon, de très bon en sortira, verra le jour dans le futur, parce que tout ça a un sens. Merci, je voudrais ajouter quelque chose. En parlant de mon expérience, la mienne et de mes collègues, on a commencé à apprendre on voulait apprendre ces choses-là parce que c'est des choses qui m'auraient aidé pour pouvoir m'aider moi-même et aider mes clients, les personnes qui me sont chères. Donc, mes collègues et moi avons commencé à apprendre très, très, très rapidement après avoir analysé l'importance. On a commencé tout de suite à faire des séminaires pour d'autres psychologues, apprendre les notions du. Chance. A été très utile pour moi et pour mes collègues psychothérapeutes. Grâce à ces protocoles, à ces algorithmes, on arrive à mieux lutter. Mais il y a aussi des protocoles qui ont été créés par des collègues parce qu'ils ont été analysés ou qui ont été psychoanalysés entre parenthèses par d'autres collègues, donc ils ont subi
des thérapies par leurs collègues. Donc, bien sûr, il y a d'autres collègues avec d'autres expériences qui ont un autre passé ou d'autres qui se sentaient complètement perdus. Ils se sentaient bizarres, ils n'arrivaient pas, ils réussissaient pas, ils n'avaient pas ces ressources internes, ils n'avaient pas appris ces techniques de premier secours psychologique. Ils n'avaient pas cette énergie interne pour répondre, pour soutenir l'effort. Question, Léna? Et bonsoir tout le monde. Je voudrais donc je voulais vous dire que je suis en train d'écrire ma thèse, un master sur un traumatisme ou le traumatisme des réfugiés ukrainiens. J'ai lu beaucoup de littérature qui ont eu des traumatismes précédents et comment ils ont réussi à aller de l'avant. Ces personnes, ils ont dit qu'ils ont utilisé ces expériences du passé et durant mes interviews avec ces femmes que j'ai étudiées pour ma recherche. Ces femmes ne m'ont pas parlé de ça directement, mais ce que disait Murray, chacun essaye d'entre nous de trouver un sens, de donner un sens à ce qui nous arrive, la relation avec les parents. On s'est senti comme un seul pays, un pays uni, très uni. C'est très important. Donc voilà, en me basant sur mon expérience personnelle. Voilà. Oui, c'est un des effets positifs de la guerre. Donc, le sens d'unité on doit être unis pour survivre ensemble. Et dans ce contexte-là, et tous les efforts qu'on fait ensemble, se créent des réseaux qui existeront pour toujours. C'est des liens, des expériences de liens, des relations vraiment relationnelles. Il durera beaucoup, beaucoup dans le temps. On a une autre question de Marcia. Je m'appelle Imikatz. La qualité de l'audio est terrible. Il y a Nico. Ouh là là, on peut pas. Ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Je crois qu'il y a deux micros ouverts. C'est pour ça qu'il y a un écho. Effrayant. Voilà, ça va beaucoup mieux maintenant. Alors, avant tout, je voulais vous remercier vraiment pour avoir organisé cet webinaire. C'est une expérience magnifique durant cette méditation qu'on a eue quand je suis monté dans cette chambre avec les flammes. J'ai vraiment eu la même sensation que comme en entrant dans cette salle de Zoom, comme en rentrant dans ce Zoom et de voir toutes ces personnes de l'Ukraine et du reste du monde. Quand j'étais dans cette chambre, dans cette salle, je me suis trouvé à imaginer que j'étais en train de danser avec, ou de danser avec les flammes autour des flammes. Quand vous avez dit, Murray, que c'était temps de quitter la chambre et de laisser tomber les flammes, moi, j'aurais voulu rester là-bas. Je me suis dit non, mais je veux pas quitter cette chambre. Hors de question. Moi, je veux rester avec ces flammes. Donc, j'ai essayé de voler des petits morceaux de boue de flammes. Voilà. Donc, ma question pour vous est comment est-ce qu'on peut garder cette flamme? Comment faire en sorte que cette flamme puisse rester allumée durant notre dans le plus profond de notre inconscient, surtout avec tout ce qui se passe. Est-ce que c'est suffisant de temps en temps d'aller là-bas
rencontrer cette flamme ou faire des thérapies durant les thérapies, ou est-ce qu'il y a une autre manière de garder cette flamme allumée, même quand on n'y pense pas, même quand on oublie notre inconscient le plus profond? Ça, c'est une question clé. Donc, on peut avoir toutes les grandes expériences du monde qu'on veut. Et après, ça passe parce qu'on oublie à la vie de tous les jours qui reprend son cours. Parce que c'est comme les enfants, ils ont des souvenirs merveilleux et parfois on oublie même d'où on est venu, qu'est-ce qu'on a fait, qui on était. Et voilà. Toutes les traditions religieuses. Sont des allusions à cette réalité. Ils ont développé des techniques pour si tu es bouddhiste, vous êtes bouddhiste, vous méditez toute la journée. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant que tu le fasses, que vous le fassiez juste de temps en temps pour qu'il y ait cette sensation de présent dans une autre tradition, peut-être, je sais pas, la tradition catholique, il faut aller à la messe régulièrement. Donc, ce qu'on fait en réalité est de faire attention à nos rêves à travers l'imagination active. Et si on arrive à faire ça, pour revenir au point où on y était, dans un moment précédent d'imagination active et de l'approfondir. Peut-être Marjane peut m'expliquer comment ça marche. Donc, réécouter, prêter, reprêter attention à soi de façon, pardon, continuelle et d'approfondir cette relation avec soi. Marsha, tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais toi personnellement? Et je connais Marsha très très bien. Nous avons étudié à l'ASAP à Zurich aussi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? Très bien, je ne peux pas vous entendre, mais vous pouvez m'entendre néanmoins. Très bien. Eh bien, j'ai un vrai processus qui consiste à être en contact avec la présence de ce pouvoir infini. Et je vais dans un endroit, j'ai un endroit où, qui se sent sanctifié pour moi-même. Et toutes les autres personnes me disent que c'est une forme de restaurant, mais pour moi, ça a une réelle, un aspect saint. Et j'ai écrit une lettre à cet esprit intérieur en moi, et j'ai reçu une lettre. Et la magie, c'est que nous sommes en lien avec le monde et mon ego, mais recevoir une lettre, c'est là que réside la magie. Et je dois vous dire que j'ai lu cette lettre une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après, et je me suis demandé qui a écrit cette lettre et d'où cela est venu. C'est vraiment cette présence intérieure. Et encore une fois, ce n'est pas toujours heureux. Mais cette présence intérieure possède un pouvoir infini et qui peut provoquer des larmes et qui également provoquer une joie ineffable. Et cela inclut des larmes spirituelles. Et c'est ce que j'essaie d'embrasser totalement. C'est pas. J'essaie, c'est ce qui se passe actuellement, c'est ce qui émane de moi et de cet élan naturel de l'amour. Et je l'appelle la mère déesse, mais c'est en tout cas un élan infini d'amour. Et c'est cet élan infini d'amour, et tous ces mots sont très importants. Nous avons parlé de ce printemps de l'amour infini, et
Ce qui nous pousse à rechercher cette essence, cette présence. Et c'est ce que je veux dire lorsque je recherche cette présence dans ma vie au quotidien. C'est rester en contact avec ma vie intérieure. Merci beaucoup. C'est vraiment un important témoignage. C'est comme ça qu'on doit faire. Vous devez y retourner. Vous devez vous ouvrir à vous-même et aux autres. Et vous aurez votre réponse. Quelqu'un d'autre a mis quelque chose dans la boîte de questions-réponses et disait qu'il n'y avait personne dans la chambre, dans la pièce, mais il y avait néanmoins un message qui a été reçu. Il n'y avait pas de temps à perdre. Il y a une autre question qui demande si des ressources de premiers soins psychologiques sont disponibles quelque part. Est-ce que vous voudriez avoir ces ressources en ukrainien ou en anglais? La question était en anglais, donc peut-être que vous les voulez en anglais. Je peux uniquement vous envoyer un lien avec les enregistrements des séminaires ukrainiens. Et nous avons également avoir une question de Svetlana qui a levé la main. Vous pouvez allumer votre micro maintenant. Bonsoir, j'espère que vous pouvez m'entendre. Et je voudrais également partager mon expérience avec vous. Je souhaiterais avant tout remercier Murray et Sally pour cette présentation très intéressante. Et j'ai beaucoup parlé du soi. J'ai essayé de trouver beaucoup de ressources et d'énergie lorsque nous parlons de la méditation ou d'autres choses. Lorsque nous faisons face à des tensions, c'est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. Et j'ai pensé de ce soi corporel qui peut nous permettre justement de gérer ces conditions. Et par exemple, j'avais envie de créer des bijoux, comme par exemple ce que vous voyez à l'écran, c'est un bracelet traditionnel ukrainien. Et j'ai créé de nombreuses choses similaires. J'ai donné ça à tous mes amis, à toutes mes connaissances, à toute ma famille. Et j'ai commencé à le donner depuis un mois. Et lorsque j'ai entendu Murray parler, je voulais vous donner cela et vous donner ces bracelets que j'ai faits. Et j'avais cela lorsque j'écoutais votre présentation. Et les éléments sont très différents et cela représente pour moi toutes les différences que nous avons ici. Nous venons de différents pays, mais nous pouvons créer quelque chose de magnifique ensemble. Et je pense de mon corps, de mon soi corporel. Et j'ai beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui ont tout traité par leur corps parce que c'était difficile de se concentrer, de méditer. Ils ne pouvaient pas méditer, ils ne pouvaient pas prier. C'est vraiment difficile de se concentrer, mais c'était néanmoins plus facile de faire quelque chose avec leur corps. Et ce bijou, ce bracelet est également, ce collier, pardon, est également un élément et un symbole de tout cela. Merci beaucoup. Oui, et en fait, c'est vraiment un point très intéressant parce que pendant des moments de stress difficile, c'est vraiment très difficile de se concentrer avec un corps. Et dans ce cas, vous mettez votre corps en mouvement. Vous pouvez commencer à danser dans un cercle, bouger, marcher, et cela vous permet de vous recentrer. Et vous pouvez ensuite recommencer à penser, recommencer à concentrer votre esprit. C'est vraiment une astuce très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Un dernier commentaire. Je vois que, en tout cas, pendant que les personnes réfléchissent à leurs questions, en tout cas, je souhaite remercier tous les collègues des différents pays d'avoir donné cette opportunité d'être là et de partager cette expérience avec vous, avec nous et toutes les personnes de par le monde.
Et nous avons encore quelques minutes supplémentaires. Olena, vous êtes la bienvenue. Je voudrais partager une image, l'image que j'ai vue dans ce processus d'imagination active. Lorsque Svitlana parlait, j'ai eu une association avec l'image que j'ai ressentie. Et vous avez suggéré que, premièrement, les collègues ukrainiens allaient rentrer. Et dans mon imagination, les collègues ukrainiens étaient le premier cercle le plus proche de la flamme. Et ensuite, d'autres participants d'autres pays nous rejoignaient. Et ensuite, nous avons un autre cercle. Et ensuite, nous avions différentes couches, comme un réceptacle, un petit peu comme un chou ou un oignon. Et c'est le genre d'image que j'avais. Et ensuite, je me suis demandé si nous gardions la flamme ou si la flamme nous protégeait. Et la réponse est deux, les deux sont vrais. Oui, pour ce qui en est de la flamme. Est-ce que la flamme nous protège ou est-ce que nous protégeons la flamme? Et quelquefois, j'ai l'impression que la flamme n'a pas besoin de nous puisqu'elle est, elle s'alimente elle-même. Et d'un autre côté, vous savez, la vue de Jung est que Dieu a besoin de nous pour amener la conscience au monde. La flamme ne suggère pas une conscience, mais les gens dans la pièce suggèrent une conscience. Et cette combinaison d'être conscient de la flamme, d'être dans la pièce, de comprendre le sens de cette flamme, et c'est important pour la flamme également, et la flamme et attire également notre attention, et nous sommes réchauffés par par la flamme, et nous sommes amenés dans une autre dimension par la flamme, et cela démontre une interaction, et j'aime vraiment cette idée de rang, de couches, de personnes qui s'agglomèrent autour de la flamme, avec un centre. Et qui a été montré dans la dernière étape du rêve, c'est que vous êtes, la flamme est au centre de la pièce, et cela signifie que qu'elle est centrale à notre vie également, et par conséquent, je vous encourage à protéger, à préserver cette flamme, et la flamme va vous alimenter également. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé parce qu'il y a beaucoup plus de questions et nous pourrions encore continuer pendant très longtemps. Mais cette présentation était extrêmement riche et j'ai néanmoins besoin de remercier Murray Stein, Maxi Yashchenko, pardon, Diane Stanley pour ce webinaire qui a vraiment généré beaucoup de bases de réflexion. Merci beaucoup également à tous les interprètes qui ont fourni leur magie linguistique et à toute l'équipe qui partage ces efforts, et en particulier Maxime, Claire, Catherine, Jackie, Marlene et bien sûr Catherine Cox pour son énergie et son engagement. Et pour finir, et à vous tous les participants pour nous avoir rejoints et d'avoir fait en sorte que cet exercice communautaire soit aussi puissant qu'il est. Et je vais désormais passer la parole à Catherine pour la conclusion. Merci Sally pour votre présidence fantastique pour ce webinaire. Je vais peut-être quelque chose de très audacieux. Je vais demander aux interprètes. Nous avons 13 interprètes aujourd'hui qui sont avec nous et je vais leur demander d'appeler, d'allumer leur caméra s'ils le souhaitent. Et je vais demander
à Neil de l'associé, de l'équipe média, de les mettre un petit peu en avant afin que vous puissiez les voir. Et encore une fois, nous avons des images très intéressantes de la sainteté qui permet justement de nous déstabiliser un petit peu le diable. Et je suis sûr que la race va être en mesure d'avoir ces diapositives, puisqu'ils soutiennent ce projet de manière généreuse pour justement répondre au mal. Encore une fois, je veux continuer à avoir ces remerciements. Je vais continuer jusqu'à ce qu'on ait davantage d'interprètes. Encore, je souhaite remercier la Guilde de la psychologie pastorale. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la Guilde, elle a été fondée en 1937 à Londres et Jung était un des sponsors, un des parrains principaux fondateurs de la Guilde. L'objectif de la Guilde est de se concentrer sur des relations entre la spiritualité, la religion et la psychologie en profondeur. Et nous avons un fantastique archive disponible là-bas avec des enregistrements et des interventions qui vont jusqu'à 1938, jusqu'à maintenant, avec des Jungiens éminents, y compris Jung. Et c'est ce que fait la Guilde. Et je vous encourage vraiment à regarder tout cela. Est-ce que nous avons les interprètes ou tous les interprètes que nous pouvons avoir disponibles? Je souhaite remercier tous les interprètes. Et encore une fois, j'ai déjà, nous avons 13 interprètes et nous avons eu quelques petits écarts en termes de canaux, que ça a été un travail très très difficile. Et tous les mois, ils donnent de leur temps et de leurs compétences de manière totalement gratuite en lisant les documents par avance et en travaillant également pendant la conférence. Et ils arrivent une heure en avance pour faire également le test son. Et encore une fois, je souhaite vraiment remercier à Workly-Wise et à la société de médias qui nous accompagne aujourd'hui, Sanctus Media, que c'est vraiment très, très important pour nous d'avoir votre contribution. Et encore une fois, Jung a parlé du problème du mal dans Liber Novus. Il a noté qu'il y avait une réponse efficace au mal qui demande un sacrifice de notre part. Le mal ne peut pas faire un sacrifice. Le bien peut faire un sacrifice nécessaire. Le peuple d'Ukraine a sacrifié tout ce qui était le plus important pour eux pour répondre au mal. Ils sont préparés pour faire le sacrifice ultime au nom de nous tous. Et donc, par conséquent, toutes les personnes et toutes les organisations que nous avons remerciées aujourd'hui ont d'une manière ou d'une autre fait un sacrifice pour répondre au mal de la guerre. Et comme toutes les personnes qui sont rassemblées ici, vous avez sacrifié de votre temps et de nombreux d'entre vous ont fait des donations à nos collègues ukrainiens. Et j'ai réfléchi un peu à ces concepts de sacrifice comme une réponse efficace au mal. Et encore une fois, je me suis demandé comment nous pourrions avoir davantage d'argent pour nos collègues en Ukraine. Nous avons déjà été en mesure de collecter 11 000 euros, et c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisamment ce qu'il faut pour nos Ukrainiens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons élargi un petit peu notre invitation aux donations pour demander à ce que des personnes puissent fourdonner l'équivalent d'une heure d'honoraires à chaque webinaire. Et si vous pouviez me donner l'équivalent d'une heure d'honoraires de votre profession au cabinet, au webinaire, ce serait vraiment tout à fait différent et très intéressant. Et vous allez avoir un lien qui va apparaître, je pense, sur l'écran. Vous allez être en mesure de trouver le lien sur le site de la RAS. Et j'espère que vous allez être en mesure de fournir un soutien à nos collègues ukrainiens au moment où ils trouvent une solution au mal. Et c'est un sacrifice, et ça veut dire que c'est un sacrifice, nous donnons quelque chose de nous-mêmes pour quelque chose qui a de plus élevé. Et je vais revenir à ce qui a été dit par Murray. Et c'est que ces webinaires offrent une opportunité de faire une déclaration sur ce quoi nous nous engagerons dans le monde. La passion, la solidarité, le droit de choisir comment nous voulons vivre. Et c'est un avantage certain
pour chacun d'entre nous, et c'est une réponse au mal, eh bien, l'équipe WUJ et tout le monde ici, je vous engage à continuer à être ferme dans nos activités au moment où nous opposons au mal, à faire les sacrifices afin d'amener cette transformation et d'utiliser les ressources que nous avons à notre disposition pour nourrir nous-mêmes face à ce mal et cette violence. Pour à nos collègues ukrainiens, nous prions pour vous, pour vos familles et pour toutes les personnes que vous aimez et nous espérons que vous allez rester en bonne santé et nous espérons vous revoir très bientôt au 6 juin pour avoir des interventions de Elena Lulina et de l'éminence Suzanne Schwartz pour parler du sujet très important des pères absents. Et maintenant, je vais vous inviter à rester quelques instants supplémentaires pour écouter la prière pour l'Ukraine de Monsieur Lysenko. Et je vous remercie. Bye, everyone.